Imaginons un voyage dans une cité revêtue d'une étoffe blanche qui laisse apparaître toute la délicatesse de ces édifices chargés de tant d'histoires. Imaginons des personnes émerveillées tout au bonheur de découvrir ce doux duvet blanc et se laissant aller au plaisir simple de percevoir les pas qu'ils laissent derrière eux. De quelle ville, madame, croyez-vous que je parle? Quelle région, monsieur, croyez-vous que j'évoque? Non, nous ne sommes pas à Megève ni à Courchevel. Non, nous ne sommes pas à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, ni même à Kiev ou encore Kharkov. Madame, monsieur, nous sommes à Paris. Paris où la poésie de l'hiver s'est doucement posée. La place Vendôme et sa colonne faite de 1200 canons, pris en trophée dont on a coulé le bronze, surmonté de la statue de Napoléon en César. Madame, monsieur, laissez-vous surprendre par cet édifice que vous ne reverrez plus jamais ainsi. Le sublime opéra Garnier de style néo-baroque, construit au Second Empire sous l'impulsion de Napoléon III et du baron Haussmann. Est-ce cela le secret de la neige? Tout recouvrir comme pour sublimer le présent? Magnifier l'instant et réveiller l'enfant qui sommeille en nous? Et l'avenue des Champs-Élysées, cet axe historique dont le nom signifie lieu des enfers où séjournent les âmes vertueuses dans la mythologie grecque. Et voilà que nous apercevons le premier président des États-Unis, George Washington, en mémoire de ce qu'ils doivent à la France dans leur conquête de la liberté. C'est un bien étrange spectacle. On a tous envie d'appuyer sur la touche retour et se retrouver en enfance. Il est maintenant temps de vous laisser continuer à rêver avec vos propres images, vos propres désirs, votre propre histoire. En espérant vous retrouver ici à Paris ou ailleurs, pourvu que le voyage soit enchanteur.